Oh, salut, ça va? Ouais, ça va. Bah ouais. Toi, t'es magicien, Bon. ça te sert pas à rien. Regardez ce verre, il est vide. Et maintenant, il est rempli. Et voilà, vous voyez bien. Et ben voilà. Bon, ben, je bois ce petit café. Ouais. Quoi? Attends, on va commencer à le boire. Qu'est-ce qu'il y a? Esteban, maintenant, Mais qu'est-ce qu'il y a? tu vas disparaître. Et voilà, il a disparu. Pour faire ma vidéo parce qu'avec lui hein, j'en ai marre. Ah oui, bon bah donc je vous ai pas dit bonjour. Salut à toutes et à tous, c'est Miguel pour une vidéo sur YouTube sur le café. Bien évidemment, vous avez dû le comprendre parce que moi personnellement je trouve que le café c'est dopant parce que en fait quand tu penses, quand tu bois, que ça te donne de l'énergie et que tu n'as même plus envie de dormir. Bah, c'est bizarre parce que quand on y pense, le dopant, en fait, c'est la même chose. Alors, moi, je dis, ça devrait être interdit pour les sportifs. Et ouais, parce que, imaginons, bon, là, c'est pas un sportif, hein, mais imaginons le gars, il boit du café. Bah normal, il boit du café, comme ça, démonstration. Oh. Ah, j'adore le café. En plus, ça me fait une sensation bizarre. J'adore ça. Énergie dans le sang, il faut que je l'utilise. Oh. Ce gros bordel là de la démonstration. Et maintenant aussi je vais vous parler de la Powerade et de la Monster parce que la Powerade c'est plus pour les sportifs mais ça on s'en fout, mais en fait c'est un peu dopant aussi parce que c'est pareil que le café, par contre ça te donne pas envie. Non, ça te donne pas l'envie de pas dormir. Voilà. Vous m'avez pas compris. On s'en fout. Voilà. Bon, démonstration. Imaginez bien sûr que c'est un sportif qui est totalement nul et qu'en buvant le café, vous imaginez que c'est la Powerade et donc qu'en buvant de la Powerade, il devient fort. Oh, je suis crevée. Allez, on va voir la Powerade. Ah, l'entraînement reprend, ok. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Cette vidéo, mais attendez, écoutez ce que j'ai à vous dire, car souvent quand on dit c'est la fin de la vidéo, vous quittez, mais d'abord je dois vous dire le nom de celui qui m'a aidé.
Il s'appelle Esteban Cousin. Donc vous tapez Esteban Cousin si vous voulez voir ses vidéos sur YouTube. Elles sont bien, ne vous inquiétez pas. Si vous avez kiffé cette vidéo et si vous avez regardé ces vidéos, abonnez-vous. Allez, au revoir.